Maxou Lovers, coucou les Maxou Lovers, c'est Maxou, exactement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toute simple, on va tester le Phuket. À tout moment ça peut partir. On était avec mon ami Elianito, à l'endroit où je vous parle et ça c'est assez historique. Et puis là d'un coup, une idée nous est venue, on s'est dit, tiens j'ai faim. Voilà, ça c'est déjà, c'est pas une idée en fait, c'est juste un constat. On s'est dit, on va faire un papier caoutchouc en un coup, celui qui perd paye le resto tout simplement. Mais quel resto, ça on l'a pas précisé. Elian a perdu et j'ai choisi donc le restaurant de mon choix qui était le Phuket's. Voilà, moi je veux dire j'ai des goûts assez élevés. Je plaisante pas avec ça. Donc le Phuket's directement, je me suis dit vas-y, ça c'est connu et c'est bon, c'est sûrement très bon. Devant vous, un vlog sur le Phuket's. Deux étoiles Michelin. Moi je te dis une étoile je mange pas. Frère, on va payer cher. Ah mais oui, le Bristol à Paris, c'est super connu le Bristol à Paris, frère. Ah, celui qui fait les papiers là. De quoi les papiers? Les feuilles. Feuilles Bristol. Je sais pas du tout. Je connais pas. Vas-y, regarde la carte là, regarde la carte. Radier, comment ça s'appelle le truc où il va s'arco? C'est le Phuket's, Phuket's. Avec une garniture traditionnelle de caviar, frère. Ouais, en vrai c'est pas si cher que ça, tu vois. Je vais même te dire mieux, c'est peut-être même pas assez cher pour moi, tu vois. Ce soir apéro, tranquille. 24 euros le croque-monsieur. La seule possibilité que j'ai trouvée est Phuket Paris, qui a une moyenne de 4 étoilés demi et pratique des prix élevés. C'est ce qu'on veut. C'était vous voir ça. Attention, ce restaurant des prix élevés, oui, Siri. Ouais, il m'a pris pour qui en fait. C'est ouais, c'est clair. Prix élevé pour toi, ouais. Bonsoir, nous aimerions réserver une table pour deux personnes. Oui, pourquoi monsieur? Ce soir, auriez-vous de la disponibilité? Vous voulez un nom peut-être? Oui. Donc Castel. Castel, comme... D'accord. D'accord, très bien, c'est pour 20h30 pour deux couverts. Je vous remercie. C'est comme ça qu'il faut parler avec les... Ils comprennent pas sinon. Ouais, ouais. Donc Castel, frère. Votre carte d'identité s'il vous plaît? Pour savoir si c'est vous qui avez réservé? Moi demain, je vais manger au Phuket's et j'ai pas à avoir ma carte d'identité. C'est qui je suis moi? Frère, tu peux pas mettre ça sur ton pull, c'est un pull H&M que j'ai en dessous, frère. Ouais. Ils vont me voir, je pense, les mecs vont dire oh putain, lui c'est Don Castel, c'est sûr. Je suis sûr comme la braise. Hein. C'est toi, c'est pour toi qui paye. Costa, Jean. Non, tu peux pas faire ça. Ah, si. Comme moi, j'arrive en plus. Mais c'est Jean, ça, parce que... hein. C'est ça qui s'habille les stars. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont changé la carte des snacking. La belle affaire. Il nous faudrait, s'il vous plaît, la bouteille de. Pétrus à 4200 E, deux rosés s'il vous plaît, champagne, deux Phuket's rosés. Oui, ouais, tout à fait. J'ai voulu prendre la bouteille et je me suis dit peut-être qu'on va pas se laisser aller aujourd'hui. Ouais, mais frère, 4200 euros la bouteille, voilà. Je me suis dit peut-être. Oh, il est mollo, hein. C'était la fête, tu vois. Non, c'est pas trop la fête. Frère, qu'est-ce que tu fais? Le garde en bracelet, t'es malade ou quoi? Non, le porte-serviette, tu le gardes en bracelet. Phuket's. T'as un bracelet Phuket's, toi? Je pense pas, non. À ta santé et à ton relevé d'identité bancaire. Je dois acheter un jean balmain parce que je me suis renversé 2-3 boules sur le jean. Sur le sexe. Tu t'es chié dessus? Ah, pas chié dessus, frère. Le petit péforeux qui. Je voulais péter, frère. On est au Phuket's, putain de merde, tu m'as chié dessus. J'ai fait. Tu sais, j'en tiens un petit. Là, j'ai fait. Ah ouais, non. Putain, ça sent trop bon. Enfin, tu me passeras des frites. Hein. Je passerai rien du tout, frère. Ah, c'est bon, frère. Et tu m'as mangé 20 euros là. Les amis, c'est historique ce qui se passe. Il y a deux rouleaux de PQ, mais à un niveau de luxe jamais atteint, les amis. On a bien? Oui. Je reviens des water. Passe-moi l'expression, mais c'est carré comme en Corée du Nord. C'est absolument fabuleux. Il y avait deux PQ dans ma salle des chiottes. Tu ne veux pas couper, toi. Dis-moi, était-il plié d'une façon triangulaire sur l'extrémité? Malotruche, comme toi, a dû déplier. Et déféquer. Un excrément d'une taille immensessielle. J'ai le droit d'inventer des mots. De l'air, demain, ce mot existe pour de vrai. J'appelle mon père, demain, ce mot existe pour de vrai. Ça va, frère? Je pense que Marie. J'ai la note là avec moi. T'es prêt? Je suis sûr de moi, tout ce enfin, quasiment. Ouais, tu penses trop bien. 95. On a pris champagne. Dessert, franchement, léger, 12 euros et quelques chacun, un truc comme ça. Bah, donc ouais. Ça ferait en gros 80 euros en tout. 90, quoi. Je prends large 90. Il y a 95, c'est jamais. Après, il y a 36 euros de TVA. En tout cas, je dois dire que j'avais la panse bien remplie.
service des plus fins, je suis ras. Ouais, vas-y, ta gueule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est différente un petit peu de celle d'avant. Ciao, à la prochaine, dimanche prochain. Voilà, si tout va bien, tous les dimanches, ça part, c'est une vidéo, tous les dimanches à 14h, on peut pas se tromper. Merci pour vos retours pour la première vidéo, je suis très sérieux, je suis très content. D'ailleurs, j'ai même mis un slip, voilà, pour l'occasion. Merci à tous, abonnez-vous, ciao ciao. Ça s'appelle Try Not To Kiss Your Friends. Voilà, ça s'appelle comme ça. Mais t'es prêt pour le challenge? De toute façon, je vais te dire, je comprends pas l'anglais.